C'est à la fois un immense honneur et privilège de nous rejoindre à cette cérémonie de clôture du dit trophée Dr Macalé Traoré. Une dame d'un sens du bien public exemplaire, mais aussi une honnêteté intellectuelle irréprochable. Cette brave dame qui n'a ménagé aucun effort pour le succès de ce grandiose événement en tenant promesse de sa présence, malgré son calendrier chargé en ce moment crucial. La structure Mixprod Agency vous dit merci infiniment et bienvenue. Ça me fait dire que la jeunesse est en train d'essayer de rattraper son retard, parce que c'est ça qu'on lance tous les jours, pour dire que la jeunesse est un retard à rattraper. Donc si aujourd'hui ils organisent ce tournoi pour pouvoir s'approprier du contenu des résolutions issues du cadre de dialogue interguinéen, je crois que c'est un bon signe. C'est à travers aussi ce tournoi, ça va être une opportunité pour eux d'apprendre, pour comprendre, et comprendre pour agir et agir sans attendre, car tout passe par la jeunesse. Donc on n'a pas intérêt aujourd'hui de se mettre dans une position d'incompréhension. Donc, on doit s'aimer entre nous, on doit favoriser le dialogue pour que tous les fils ou toutes les Guinéennes ou Guinéens puissent au moins conjuguer un seul verbe qui est peut-être la paix et le développement pour le pays. Et je vais vous apprendre que c'est organisé par la jeunesse du parti guide. C'est la jeunesse de mon parti qui a eu l'initiative d'organiser, inviter leur président parce que le parti guide est membre du cadre du dialogue. Nous avons préparé. Donc pour nous, c'est une manière de contribuer et à la conscientisation de la jeunesse, permettre à la jeunesse de libérer son mental ou sa mentalité afin de prendre l'image du signe qu'on dit que jeunesse et refondation pour le rassemblement. Et pour nous, la refondation est une opportunité d'épanouissement, est une opportunité d'enthousiasme et une opportunité pour nous de se positionner afin de faire la politique autrement. Mon message est un message de compréhension. Je leur demande de comprendre qu'il est temps, parce qu'il y a une date d'expiration pour tout et il y a un début pour tout. Aujourd'hui, c'est un début de refondation. Il est permis à tout le monde, tous les acteurs politiques, de donner chance à cette refondation de réussir, de donner chance à cette transition pour sa réussite. Cet événement abrite mon quartier. Je suis comblé, je suis sous le comble maintenant là, vu l'acte posé par ma jeunesse. Une jeunesse brave. Vous savez, dans ce monde moderne, il n'y a pas une activité qui peut rassembler plus que le football. Si j'ai eu l'amabilité, l'initiative d'organiser ces tournois dans ces quartiers, c'est pour faire voir le quartier, pour faire connaître le quartier. Et j'ai mis ces tournois de rassemblement, de solidarité, d'union, de communion. Vraiment, je suis ravi à plus d'un titre. Je suis ravi de ma jeunesse. Je suis très content de ma jeunesse. Pour ce qui concerne la grande invitée qui porte aujourd'hui ce nom, le nom de ce tournoi, la diva des grandes dames de la Guinée, dès qu'ils m'ont dit cela, vraiment, j'ai d'autres préoccupations aujourd'hui. Mais je me suis arrangé pour être là aujourd'hui. J'aurais souhaité aujourd'hui qu'elle soit devant moi. Mais comme elle s'est fait représenter, ce n'est pas grave aussi. Une dame qui égale aujourd'hui les hommes dans ce pays. Une dame aujourd'hui qui a une valeur inestimable aujourd'hui dans cette nation. J'aurais voulu aujourd'hui qu'elle soit là. Et pour cela, je suis très content de ma jeunesse, très ravi, je suis sous le comble. Nous sommes dans le quartier Kaloroya. Souvent, c'est confondu à l'Ansanéa. Mais c'est un quartier qui est au compte de Mania, dans Koya. On appelle tous Koya, l'Ansanéa, mais c'est ici, la partie-là, on dit Kaloroya, l'Ansanéa, Kaloroya. Donc, nous souhaiterons qu'après cela, vous dites à la grande diva que le quartier est là. Nous comptons entièrement sur elle. Nous comptons entièrement sur elle. Pour toute aide, pour tout soutien, on est là. On est là. Elle peut venir au secours comme nous aussi, on est là pour un soutien. Parce qu'elle veut grandir de plus.